Au Nigeria, le président John Afan visite un village dans les environs d'une plateforme pétrolière encore en feu plus de mois après son explosion. En Zambie, des experts disent que la consommation de fast-food est la principale cause du taux croissant de cancer dans le pays. Après 17 ans d'arrêt de sa production, la voiture de fabrication locale malgache, le Karenji, retrouve les rues de Madagascar. Les mangues provenant des forêts camerounaises constituent l'ingrédient clé dans la dernière folie du régime alimentaire aux États-Unis. Enfin, en Grande-Bretagne, après une absence de plusieurs années, les autobus à Imperial sont de retour dans les rues de Londres à temps pour les Jeux Olympiques.